Je disais aux élèves, c'est qu'on a créé une collection Pearl Trees. Ici, une équipe, carrément, on a créé une équipe que les élèves vont pouvoir enrichir de leur production, des photos prises du TP dans le microscope ou des résultats légendés, titrés, des petites capsules, des vidéos. C'est vraiment au choix. Il faut essayer de prélever la première couche transparente, voilà celle-là. On va essayer de localiser où dans les cellules se déroule la photosynthèse. Donc le but, c'est d'aller colorer l'amidon, la synthèse d'amidon, donc de matière organique avec l'eau iodée, d'observer au microscope. Alors on va observer les cellules végétales et on pourra localiser où se trouve la production d'amidon, donc la photosynthèse. Il y a deux manipulations à faire pour découvrir la localisation de la photosynthèse chez les plantes. Et je leur demande de réaliser une production et de me la rendre via Pearl Trees, qui est disponible sur l'ENT, qui complète d'autres applications qu'il y a déjà. Je ne sais pas comment vous voulez faire la production que vous allez lancer. Vous avez déjà un peu réfléchi à ce que vous allez mettre, des photos, un petit comme un reportage photo ou que les résultats, comme vous voulez. Oui, vous pouvez prendre des photos des différentes étapes. Tout ce qu'on va enregistrer là dans l'ENT, dans Pearl Trees, ils l'auront chez eux puisqu'ils ont un compte, donc il n'y a pas de problème. C'est vraiment plus pour le côté visuel, pratique. Et puis tous les élèves n'ont pas un smartphone avec la connexion. Donc là aussi, la tablette, ça nous permet que tout le monde ait une connexion avec le Wi-Fi. Après, il y a aussi que là, c'est des terminales, donc je les autorise. Et quand je vais m'y mettre avec les secondes, je ne veux plus autoriser le smartphone, je l'ai fait et ça, je trouve qu'ils ont vraiment du mal à s'auto-gérer, se discipliner. Mais même moi, j'utilise tout le temps mon smartphone pour... J'ai pas de tablette et j'utilise hyper souvent l'ENT, Pearl Trees avec mon téléphone. Hein. C'est hyper pratique. S'ils n'ont pas fini de légender, ils vont finir chez eux. C'est un petit peu long, voilà. Donc on peut avoir accès à tout ça. Voilà, des photos qui sont déjà légendées. Hop, avec... Donc c'est vraiment sympa, on a tout de suite un beau rendu et un travail soigné.